Ok, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, opération braque de Weimar. Vous partez chasser. Nous avons une source, un berger de montagne, qui aurait des infos sur un terroriste. Le voici sur l'écran. Donc Nikos. Multiples attentats sur Kavala, détention d'armes prohibées, meurtre par exécution et j'en passe. Il nous faut le capturer vivant, si possible, et le ramener dans notre pénitencier à la base. Mets à jour votre carte pour les objectifs. Voilà. Donc voilà, ici, donc notre source. Nous avons repéré une LZ à 250 mètres environ. Donc vous récupérez les infos et vous avisez en fonction. Voilà pour le premier objectif. Des questions sur le premier objectif? Négatif. Négatif. C'est bon. Pour okay. LZ. LZ, c'est landing zone, c'est la zone de pour l'hélicoptère. D'atterrissage. D'atterrissage. À savoir que Delta, vous venez par cette sur cette LZ en suivant la longitude de 210 en basse altitude. Bien pris. Par contre, je ne vois pas la LZ, il y a une tête devant. Tu vois pas la LZ, ok. 111-210 PN2. Tu m'as dit 111-210 PN2. Merci, bien pris. Entre les trois bâtiments, voilà. Parfait. Ok, donc après vous avisez en fonction des infos que vous avez. Et le deuxième objectif est de trouver la planque de ce terroriste, Nikos, et le capturer si possible. On ne fera pas de drame s'il est mort, mais les hautes instances le voudraient vivant, alors faites au mieux. Reçu. Objectif 2, pas de questions. Bien pris. Question, s'il est armé, comment on fait pour le neutraliser? S'il est armé et qu'il vous tire dessus, vous n'hésitez pas, quoi. Vaut mieux sa vie que la nôtre. Hein. Et voilà, sauf s'il se rend ou quoi, vous voyez. Je pourrais revoir la photo de Nikos. Nikos, oui. Alors regardez bien comment il est. On l'a repéré, il est souvent habillé en homme d'affaires. Et il aurait des tatouages sur les bras aussi. Ok, bien pris. Autre question. Je crois que c'est des tatouages. Oui. Sécuriser le site en neutralisant les caisses d'armes, pourquoi l'objectif du coup il est placé sur la base? Alors ça c'est le troisième objectif. Alors ces deux objectifs sont placés sur la base parce qu'on ne sait pas où est située sa planque. D'accord. Donc je peux pas les mettre... C'est ce que nous donnerons les infos qui sont... Ok. Voilà, en fonction des infos qu'on va te donner, voilà, l'objectif nous on le place là pour qu'il soit visible quelque part. Mais... le lieu exact, on le connaît pas. Donc effectivement, le troisième objectif, c'est de détruire toute caisse d'armes que vous pouvez trouver. Bien pris. Bien pris. Donc, voilà, essayez de vous faire discret quand même pour éviter qu'il s'échappe. Et essayez de pas tuer d'innocents non plus. Comment pouvoir des lampes torches? Quelle heure est-il? Vous voyez. Il est 16h? Ouais, peut-être, ouais. Ultime question, peut-être? Ça dépend. Oui. Quel type de troupes armées on va pouvoir découvrir en sur-zone? Si donc c'est les planques, c'est la planque du terroriste, donc à mon avis, il doit sûrement avoir... pas mal d'hommes armés puisque c'est de son côté, et ensuite en véhicule, il ne doit pas avoir de véhicule lourd, à mon avis il doit avoir que des véhicules légers, aucun blindé. Ouais. Non, ouais. Comment, aucun blindé? Blindé, non, je pense pas. D'accord. Ok, ben alors si c'est bon, allez prendre vos affaires. Dans les montagnes, donc c'est très facile pour les blindés d'aller là-bas aussi. Allez messieurs, allez vous équiper.
coup il restait pas Pedro, c'est quoi ça? Il y avait 3 leaders qui doivent rester. Enfin les 4 avec le... Normalement ils sont 4. Et où Pedro? On est avec Pedro là. Ah Pedro il est parti. Donc Pedro. Pedro? Ouais. Je vais le chercher. Ok merci. Bon Poupoune. Moi j'ai une question, t'es qui là? Ouais vas-y. Tu m'as dit en suivant la ligne 210, j'ai pas compris ça. La longitude 210, tu regardes sur ta carte, tu regardes... Oui. La longitude c'est tout ce qui est horizontal. Oui d'accord. Et 210, là, tu vois le 210? 120, attends. Ah oui d'accord, ok, mais moi je regardais le chiffre du début, c'est pour ça. Ouais, c'est 210, ah oui c'est celui qui est juste en dessous du point. Bah c'est 21 ouais. Quoi en fait. Ah ouais. Voilà, 21, 211, 210... Ah, 209, 200, ouais, 210, ouais, je vois... Voilà, 210, c'est là où il va... Tu vois, t'as le point, c'est l'objectif. Et la LZ, elle est sur le 210. J'étais parti, vu que... Où t'as l'objectif, sur les paroles de la dernière fois. Et tu la suis, quoi. Hein? Voilà, tu vois l'objectif? Il y a une ligne juste au-dessus, horizontale, et tu la suis, c'est ça? Ouais, c'est pas, ça. Pas la 211, hein, la 210. Suis la ligne 210. Celle de la LZ. Y a pas de 211. Alors zoom sur l'objectif. Oui. L'objectif 1. À gauche, t'as marqué 211. Sur la ligne horizontale qui est en dessous de l'objectif 1. Oui, t'en as une en 109 210. 109 211, ouais. Mais ah, ouais, ouais. Tu vois, attends, sur 211, ta carte, ouais, sur le côté là, en gris, t'as marqué 211 210 etc. En ma carte sur le côté. Oui, ah, pas avec d'accord. Ton pas avec ton curseur. C'est direct noté, oui. Toutes les lignes sont notées. Ah oui, mais j'avais pas eu d'accord, j'ai marqué 21 à droite, oui d'accord. Voilà, si tu zoomes, ça fait 211. Ouais, 210, 211, ah ouais. Voilà, donc 210 c'est juste en dessous encore. Et tu vois, ah, si tu la lis, ouais. Et si tu vas un peu plus vers la droite, tu vois la LZ là, tu vois un grand truc marron là. Entre trois bâtiments. La 210, elle t'amène pile dessus. Tu vois la LZ, ouais. Où est-ce qu'elle est? Quand tu dézoomes un peu, ce que tu veux me dire, parce que t'en bouges pas dans le gros moi. Tu vois, il faut que je suive la ligne horizontale 21, c'est ça? Ou alors je zoome et je prends le... Oui, 21. Oui. Si tu dézoomes en gros, la 21 suffit. C'est 210 de toute façon, la 21. Ah bah tu veux que je prenne plus rapproché? Oui. Après, le problème, c'est que quand je pilote, pour me suivre, il faut bien que je dézoome pour savoir où je vais. Et ça va être compliqué de me suivre de... Non, ouais, mais 210, ça va. Tu te mets sur la ligne 210, oui, après tu vas tout droit. Avec oui, d'accord, GPS, ok. Non, mais c'est ce que je pensais au début, c'est bon. Et tu vois où est la LZ? Entre les bâtiments, c'est ça? Voilà, entre trois bâtiments, 112. En dessous à droite de l'objectif 1, il y a plusieurs carrés gris là. 111, 210, PN2. Ouais, tu peux pas voir l'écran. Nickel. Non, mais c'est bon, c'est juste avant à droite, là. Enfin un peu en bas à droite, c'est bon. Tu ne peux pas aller voir l'écran? Qui est affiché sur l'écran? Oui, voilà, c'est affiché là sur l'écran. Là. Si, mais il regarde sa carte pour se. Si, mais je regarde ma carte pour. Je vois plus l'écran en vol quoi. Bon. C'est bon, je vois ça, c'est limite vers les routes là. Donc arrivé donc coucou c'est bon pour ça pour arriver là. Ouais. De là moi je m'occupe de sécuriser l'hélicoptère, l'équipe Bravo. Ok. Équipe Zulu, vous protégez Yankee qui ira vers l'objectif de la source. D'accord. Ok. Et je pense que Yankee, ce serait pas mal. Alors attends, que je retourne sur place avec la carte. Soit qu'on passe par le chemin qui passe au sud. Le chemin qui est en diagonale. Alors après, c'est des comment ça s'appelle? C'est des terres, hein, c'est des trucs de montagne, c'est. Oui, non, mais. C'est de la. J'avais bien compris. Ou soit vraiment passer. Aller tout droit vers le nord et ensuite avancer directement. Oui, tu peux aller tout droit et puis Pedro, lui, il prend les côtés, tu vois. Ouais. Il prend son équipe, il en met deux d'un côté, deux de l'autre et il vous suit jusqu'à là-bas. Ouais. Pour la dépose, ça se fait comment au sol ou en parachutage? Non, au sol. Tu vas donc en comment ça s'appelle, basse altitude, tu nous déposes, tu restes. Tu restes là parce que les équipes vont chercher les infos. Moi, je sécurise ton hélicoptère et Yankee va chercher les infos pendant que Zulu les protège. Ok, donc on va être obligé de prendre le Merlin, quoi. Ouais. Ouais. Ça va aller? Ouais, écoute, ça fait un mois que j'ai pas piloté, mais on va essayer. Oh la vache. Si jamais on crache, ça doit le faire. On peut quand même relancer, quoi, parce que bon, on est 15, c'est dommage.
Non, mais je vais y aller tranquille, je vais pas non plus prendre les risques. Bah, Tequila y allait tranquille, il s'est pas précipité. Non, mais après, oui, je suis pas précipité, mais c'est pour l'atterrissage après, c'est moins contrôlable. J'essaye de pas précipiter non plus, mais c'est surtout l'atterrissage en fait. On sera plus 7 mais, ou 9, mais on sera 14. Donc là, je vais laisser une porte ouverte, si ça dérive, vous sautez. Ouais, on va commencer avec un handicap, ce sera très bien. Allez. On peut pas sauter à basse altitude. Ah bah ouais. Ouais. Dommage si tu peux pas te servir des parachutes, même en hélico. Allez, et non, après, avec les infos, tu vois avec. Il est parti ? Ah non, je suis là. Non, mais bon, c'est pas grave. Ah bon, ouais. Par contre. Une fois que t'as les infos, tu vois avec Pedro, et vous avisez tous les deux. C'est lui qui nous donne les infos, le mec, ou on peut on les trouve sur place ? Et ben, c'est la source, c'est le berger, donc après. D'accord, ok. Après, je sais pas comment ça se passe, hein. Ok, pas de soucis. Quoi? Voilà Recru qui nous a collé, ben voilà. Allez, la bonne musique. Et en haut là, de l'écran. Loot. Arpic, il t'a acheté. Non, je sais pas qui est ou pas là. Deux en un. Les FPS en fait, les images par seconde. Voilà. Bah, moi j'en ai que 6. Et que je trouve plus de l'hypothèque comme t'as 6, c'est plus joli. Pas dans le vidéo. C'est comment t'as le cul qui tourne sur le sol. Après c'est normal, je me montre, c'est sur la base, il y a énormément d'autres choses. C'est normal, ça va aller mieux aussi. D'accord. D'accord. J'ai fait des ombres en train de prendre. Dans vidéo. En fait, si tu veux, j'ai mis tout à la faible. Alors, dès que tu as touché, les rares ombres, tout est faible. Le leader bravo, équipe bravo, test radio. En un mois, t'auras l'occasion. Médic reçu. Fusil reçu. Rad reçu. Radio reçu. Ok, bien pris, équipe bravo. Rejoignez-moi dans le hangar vestiaire. Ah, c'est plus calme là. Alors quand on va partir sur la LZ, l'hélicoptère va se poser. On est chargé de surveiller les alentours de l'hélicoptère. Ok. Donc une fois posé, vous déployez. Alors je veux Manmind au nord, Judge au sud, Torkum à l'est, Arkix à l'ouest. Ok. Vous prenez bien votre cap. Je le répéterai pas, d'accord? Je veux que quand on arrive, vous déployez, vous savez déjà où aller. Juste question, c'est comment déjà qu'on ouvre la boussole? K. Ok, merci. Oups. Ouf, putain, tu m'as fait peur. Heureusement, c'est une. C'est une fumée. Fumigène, imagine, ça aurait été une vraie grenade. Alors, un truc qu'il faut faire, surtout, pour pas que ce genre de choses arrive, c'est. C'est mettre G pour changer les grenades et CTRL G pour la jeter. Comme ça, si vous appuyez sur G malencontreusement, vous faites que changer la grenade dans votre truc. Ok, bon, c'est bon pour les points. Après, on sait pas trop où sont les planques et tout ça, donc Venom et Pedro aviseront en fonction des... comment ça s'appelle ? Des infos qu'ils auront. C'est... Allez, on peut monter dans le mer là. Non, on bouge pas de tour d'hélico en fait. Voilà, 50 mètres, vous mettez à chacun de votre cap. Ouais, c'est possible. Allez, go. Je suis là, je suis devant toi. Ah, pardon, c'est Tommy alors. Et où mon capichef? Mon capichef, mon capichef. Il y a trop fait, il a mal fait ses lacets. Il a pas ciré ses ranjos. Voilà. Ah, c'est pas grave, il aurait été boueux. Je regarde, moi en plus. C'est clair. Vas-y, installez-vous. Viens, mon capitaine. Ça se va prendre un parachute avec Coquine. Viens, mon capitaine. Oh, mais il se taise là. Il est comme le nom de notre hélico, il va jamais savoir piloter. Mais il va jamais décoller, surtout avec le nombre de gros qu'il y a dedans. Vous sentez le crash avec les trois L. Bravo, en place. Et en plus c'est poupou de volant. Oh là là. Boudu.
Yankee, vous êtes tous dedans? Venom, tu peux le voir s'ils sont tous dedans. Mon capi chef. De quoi t'es qui là? Tu peux le voir s'ils sont tous dedans, t'as tous tes noms en dessous là. Avec s'ils sont dans l'hélicoptère ou pas. Ok, bah Yankee à place. Test. Merde. Ah, vous faites gaffe. Test de l'emporter, l'hélicoptère là. Bien pris, bien pris, fort éclair. Bien pris, fort éclair. Zoulou en place. C'est bon. Peut-être répondre dans la radio, on peut lui parler comme ça. Normal, je suis le seul qui Tu pues mon frère. C'est qui nous chante une petite musique? Qui flotte là? Je redemande confirmation, tout le monde en place, c'est ça? Affirmatif, bravo. Bien sûr, canal 1 pendant le vol, c'est plus simple. Si on s'en est, on peut le faire. Oh la belle musique! Ah merci, Dispé. T'aurais pas fermé la route là? On va tomber. C'est un peu. J'ai été heureux de vous connaître les amis. Oh putain excusez-moi le bravo, est-ce que on pourrait récupérer Sony en canal 2 s'il vous plaît? Merci Sony. Manmin au rapport. RAS. Judge. RAS. Lorkom. RAS. Markix. RAS. Ok, bien pris, bravo, terminé. C'est qui a le côté ouest? Arkix. Ça va, le soleil, il se gêne pas trop? Non, ça va. Je regarde pas pile dans sa direction, ça va. Ah ouais, et si ça arrive là-haut? Je les verrai. Ok, bravo, on va prendre position là-haut et on va regarder, on va checker au niveau du village. Ok. Il est posé n'importe comment, le Tico, le pauvre. Allez-y, go, et rendez-moi compte. Oh putain. Merde, t'as pas sorti les roues, Copper? Il a oublié de travailler. Ah, j'ai oublié. Ah putain, pour repartir, ça va être coton là. Ah non, mais non. On a un pilote, nous, monsieur. Bah oui. Moi j'atterris sans les roues alors je peux venir décoller sans. Nous on va okay. Sur Galatis. J'ai envoyé l'équipe là faire une reconnaissance là-haut. Ça
toi, Tikav? Là, on est au, ouais, au nord-ouest de Galatie. Oh, ouais, t'as Galatie qui est derrière la colline, là. Tu vois, il y a un point haut, là-haut. J'ai mon équipe qui y va, ils vont faire un point, ils vont rendre compte. Faudrait que tu ailles toi aussi, et voir comment tu vas descendre, etc. On se met en soutien. Sinon, tu peux parler à tes gars aussi. Non, c'est bon, on n'est pas obligé de savoir. Eh, rappuie sur X. Ouais, voilà. Non, j'ai pas retenu le prénom. Alors bravo, on a quoi? Des tangos dans la ville. Une Jeep armée, 3 tangos. Tu vois l'église? Derrière l'église. Derrière l'église, il y a 3 tangos qui se baladent. 4, 5. 5 tangos. Moi j'ai mis les grossissements. T'as voulu ta jupe? Les jumelles? Non, moi je suis avec le fusil, là, je suis pas tiré. Un tango équipé d'un bazooka. Oh, il y en a 3. Attention, apparemment ils sont en alerte. Hein. Je confirme. À quelle distance là? C'est vrai que mon. Il y en a un au kiosque à journaux. Il est peut-être le Charlie Hebdo. On peut ouvrir le feu ou pas? Négatif, on est trop loin. Mais non, c'est juste la bonne distance pour leur mettre des têtes. Ok. Allez, y en a qui est allongé. Azimut 141, je vois une Jeep, hein, armée. Et un tango pas loin. Et un tango en conducteur. Ouais. Ah, je vais ouvrir. Laissez-moi ouvrir le feu, pitié. Non. Me démange. Non. Vous avez repéré la cible ou pas? Négatif. Négatif. Petit tango. Je crois que la cible est aux toilettes. 9-10. Moi je me demande si ça serait pas dans la maison, il y a tous les tangos. Alors je dénombre petit tango pour le moment. 10. Affirmative, 10. Il y a un jeu pour enfants. Attention, il y a des civils. Oui, mais j'ai envie de tirer. Ils n'avaient qu'à déménager. FN, je veux tirer. Attends, pas d'ici. Mais je peux lui mettre une tête d'ici, c'est là où c'est que je suis capable de me prendre des balles. Il faut qu'on se mette en commando. Qu'est-ce qu'ils font, les autres là? Leader Yankee, vous êtes sur canal 1? Oui, canal 1. Ok, vous avez une approche ou pas? Je pensais approcher par derrière le bâtiment où il y a le véhicule. Le véhicule ennemi là, arriver de ce côté là. Ok, bien pris, on va essayer de prendre de l'autre côté alors. On reste sur le même canal. On risque de se flouder entre chaque équipe, donc vous allez prendre votre canal au moment de partir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le cimetière, à gauche du cimetière. Y a pas que le monde, hein. Ok, bien pris. Et nous, il faut mieux nettoyer avant de descendre, sinon on va se faire tomber comme des lapins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oh, mais c'est loin là. Ils arrivent, hein. Enfin ils se déplacent vers la tous vers la voiture là. On peut tirer. À la queue le. Ils sont 4. 5. Leader Yankee, vous êtes toujours sur le canal là? Toujours. Ok, qu'est-ce que vous pensez qu'on allume là? La patrouille là. Ouais, moi je pense que faut celle-là faut allumer là parce qu'il y a 10. Moi je vois 10 gars à la queue. Ouais ouais, ok.
Ok pour tous, faites le. Médic sur la fixe. Azimut 132 en bas. Torco m'envoie un message à Zulu comme quoi on a engagé le village. Zulu de Bravo. On a engagé des tangos dans le village. Équipe Yankee, je veux un report sur votre état. RAS. RAS. RAS, tout le monde est bon. Il y a des ennemis. Copper, tu nous sens, on va commencer à descendre. Bravo, on repasse sur le canal 4 Yankee, on commence à descendre. Ok, bien pris. Équipe Bravo, préparez-vous, on va descendre vers le cimetière. Ok, reçu. Azimut 116, il reste un homme debout. Sniper demande autorisation de rester en hauteur. Ouais, bien pris. Tu peux te mettre dans la cahute si tu veux aussi. Azimut 116. Dans les peurs, t'es où? Hein? Arkix, tu peux monter si tu veux rester là, ouais, tu peux rester là. Pas dans les bois, ça? Ah, ouais, c'est où tu tirais, Thor? T'es quoi tu... Allez, soutien! En ligne! Là, il est mort. Cible abattue. On va descendre là. Non, tu passes à 400 mètres, c'est quand même bien 400 mètres. Là, la harpe, c'est autant de piles que moi. Leader. Oui. On est parti de quel côté? On descend là, on va vers le cimetière. Tu nous suis sur la fin. On laisse Arkix là-haut. De quoi? Je reste là, je te suis. Il y a le médic qui est crevé, on laisse se reposer. Le radio. C'est le radio? Ouais. Ah oui, il est lourd le radio. Check sur la gauche, Manmin. Fais gaffe à l'intérieur des bâtiments aussi. Ouais. Bon, je vais reprendre. Allez, go.
Five, rally up. Qui reste? Arkix, tu nous vois, tu nous couvres. Reçu. Attention, on tire. Torque. Tu vas voir dans la baraque, s'il te plaît. Là, ça marche. S'il y a des munitions ou pas. Je vais passer par où, moi. Là, par là, par là. Il y a un trou à gauche. Manmin, tu regardes s'il y a des munitions là-bas. C'est ça ? En face de moi. C'est là, S. Pour moi, mais... ici Bravo, parlez Zoulou. Est-ce que vous avez fini votre reconnaissance et votre mission? Affirmatif. Le village a été nettoyé et deux caches d'armes ont été détruites, donc on... affirmatif. Dans ces cas-là, nous demandons un soutien, s'il vous plaît. Merci. Quoi ça? Tu lui préviens, Yankee, que c'est nous qui avons fait ce bruit. Nous qui avons fait ce bruit-là? Ouais. Il demande un soutien. Yankee, vous êtes sur Canal 4 toujours? Voilà. Toujours. Ok, on va passer canal 1 et il faut un soutien pour Zoulou. J'ai bien pris. Zoulou. Torkoum, t'envoies à Zoulou que les deux équipes arrivent. Enfin, on envoie les deux équipes. Yankee, parlez Zoulou. Ok, on va prendre... ici c'est terminé a priori. On va prendre on va repartir là-haut. Copper, tu vas pouvoir redémarrer ou quoi? Bravo à Zoulou. Enfin, bref. Non, mais c'est bien c'est reçu. Bien, bravo. Je transmets l'information, moi, ça. Je vais remettre sur pied le truc, là. Tu peux répéter ça. Oui, Copper. Zoulou de Yaki, si votre mission est un succès, nous demandons un soutien. Merci. Zoulou, bien pris. Yankee, comment il va réagir? T'es où? Putain, t'es où, papa? Viens, avec les jumelles. Avec les jumelles. Ok. Le radio Zoulou, par contre, il comprend Zoulou et Yankee, là, c'est chiant. La position est... Leader. On remet sur pied le truc? Ouais, on va remettre droit, parce que j'en mettrai, je sais pas ce que ça va donner. Négatif, nous on va remonter là-haut. 237. On va remonter. On nous demande... On remonte tous? Bah ouais. Oui, on reprend l'hélico et on va vers eux. Allez, go. Poursuivez, Denis, quelles sont vos coordonnées? On va tous crever avec l'atterrissage. L'atterrissage de nuit, j'ai jamais fait. Bah déjà il faut pouvoir décoller. Est-ce que tu l'as remis sur pied ou pas alors? Putain, y'a un muret. Idem.
se met tous sur canal 1. Ok, Arx, on est sur canal 1. Return to formation. Reçu. On remonte vers toi et on va équiper, on va aider Zulu. Reçu. Avec une noire noire. Comment on équipe la lampe torche? Affirmatif, je suis là. Tu l'allumes avec L. Et c'est dingue. C'est lui. Merci Arx. Vous avez trouvé la cible ou pas? Non, on n'a pas trouvé la cible, juste une cache d'armes. Okay. Oh, c'est joli d'ici. Pas mal. Un joli spectacle. J'en peux plus. User in your channel timed out. Ok, donc on a leur position, ils sont en 95-203, pavé numérique 8. Répétez les coordonnées s'il vous plaît. Vous pouvez répéter? J'aimerais revoir les coordonnées s'il vous plaît. 95-203 PN8. Je répète, 95-203 PN8. Confirmé. Confirmé, 95-203 PN8. Merci. Au oui, nord de Abdera, nord, nord-est. Moi, ouais, je me suis pas cassé les couilles à vérifier. On se fait en commun. C'est bon, on a tout le monde. Ah, ça monte hein. Dur. Allez. Ah non 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 non, moi je monte pas là dedans. T'as vu comment il est penché, moi je rentre pas là dedans. C'est vrai qu'il est grave penché par contre. On pourrait peut-être réussir à le faire réatterrir sur cette zone-là pour être sûr qu'on meurt pas tous. J'ai peur, va au sacrifice. Qu'est-ce que c'est? Derrière nous. Tout le monde. Ange présent. Arc XOP. Checkez où là les gars? Torcopé. Tu nous reçois? Non, tu vas pas mourir, je te connais. Amen, mine. Eh, il faut secourir Copper. Hein. Il y a deux blessés, il faut s'occuper des blessés. Oui, oui, vas-y, occupe-toi des blessés, je vais voir pour Copper. Torque, tu transmets qu'on a eu des blessés pour sur le retour. Qu'on aura de retard. Un mort, qui ça? Qui est mort? Aucune idée, je sais pas. Il y a un soutien, mais c'est pas le nôtre. Profit.
Ah putain, mais je peux pas avancer là. On essaye de relever le maximum de personnes là. C'est en cours, chef. Checker tout le monde, s'il faut mettre des garrots, mettez des garrots en attendant que le médic puisse passer de. Et vous essayez de stabiliser s'il y a stabilisé. Oh putain, je vois pas quoi faire. Autorisation d'approcher l'hélicoptère, savoir s'il y a des morts. Négatif, je suis dessus et je voudrais pas que quelqu'un se brûle. Reçu. Ah ça y est, il s'éteint, je vais aller voir. T'es là? Cooper? Bon, affirmatif, j'ai besoin d'aide là pour une recherche. Arkex, j'arrive. Je sais pas si c'est fait tuer en allant vers l'hélicoptère ou si c'est fait tuer à côté, mais je trouve pas, donc faut regarder un peu partout. Tu me préviens hein, si t'as un appel de la base. Torcom, tu m'entends? Affirmatif. Tu m'appelles si tu as quelque chose de la base. Chance. Normalement, il devait aller droit devant dans les coups. Non, il doit être mort. Bon, on récapitule, j'ai Manmin, Judge, Torkum, Arkix, ensuite Ange. Affirmatif. Ensuite. Ça a l'air d'être tout, non? C'était tout seul dans l'équipe Yankee? Bah je sais pas, je comprends pas, tout à l'heure il y avait encore BJ qui était là, non?
T'as soigné qui, Judge? Juste Madmin. C'est que Madmin qui a été sauvé. Rapproche-toi, je sais pas si t'entends. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. T'as trouvé qui? Un mort. Ah fuck, BG. Bon ok, bien pris, on se regroupe là vers l'hélicoptère, vous revenez ici, on va aider Zulu parce que de toute façon là on peut rien faire. Et Copper il est pas là non plus? Et Copper on a pas réussi à le trouver et c'est trop... On sait pas s'il est l'hélico, s'il est vraiment... Quoi que j'ai pas son cadavre, hein, on a pas vu son cadavre. Je trouve pas son cadavre. On entend des tirs sur la ville voisine, il doit être là-bas. Mais non, il était parti sur l'hélico pour nous redémarrer et Je cherche vite fait. Le problème, il a explosé le truc. Quand vous venez vers nous là, en allant vers l'hélicoptère, regardez quand même par terre s'il n'y a pas son corps. C'était bien pris. Qu'est-ce que tu veux voir dans ces trucs-là? Un casque bleu en plus, ça devrait se voir. Autorisation d'approcher le véhicule ennemi pour éventuellement le récupérer pour se déplacer. Affirmative, va voir comment il est. Radio, tu le rejoindras pour voir. On a un problème, Mad est toujours légèrement blessé, il n'arrive plus à avancer, mais j'arrive pas à le soigner. Il y a un bug ou je sais pas quoi. Le garrot a été retiré et tout. Alors le véhicule? Ah il est où? Va voir si tu peux le réparer. Je vais. Il est sur la route là-bas. Je cours pas moi, je suis trop fatigué. Tu me rendras mon garrot, Judge. Pas de problème, mon Torcloon. Ok, on monte pas dedans, tu laisses Ange monter. Okay. Ange, tu montes, il y a les pneus à réparer et puis je prends le moteur. C'est ça le véhicule là? Ouais. On arrive avec Mad. Avec le Little. Ah, il est bien réveillé, ouais. C'est bien réveillé, ah, qui me tire dessus. Bien avec le Little.
opération terminée. Ok, Torque, tu demandes s'ils ont toujours besoin d'aide et qu'on est sur le point d'arriver. Bon, t'as rentré le véhicule, c'est qui là, là. Bravo. Ouais, allez-y. Montez. Qu'est-ce que ça donne? On peut monter que dans le tout terrain tireur, on peut pas se mettre autre chose. Ah merde. Bah non, il y a qu'une seule place à l'arrière. Il y a que tireur. 1, 2, 3. Yankee, vous êtes combien? Alors, on est 4. Je suis là, je suis juste à cause de toi. Bah, Sony aussi qu'on a récupéré à la base. Ok. Il y a 3 qui peuvent monter. Hein. Bon, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre le véhicule ou pas? Ça t'intéresse ou pas? Peu importe. Moi je le prends puisque personne veut le prendre. Ah, si tu, tu y vas. Un radio ici. En passager alors. Arkex, un médic et un radio, et et moi je vais prendre le commandement aussi. Pas Batman. D'accord, la voiture. Le reste prend l'hélico. Allez go. Il est Zoulou hein. Non, non, on remarque qu'on a. Sur quoi, quoi, Zoulou, j'écoute. On arrive à l'entrée du village avec une JPD. Au sud, il est au sud. Il a pris. On passe par l'entrée sud. On va s'arrêter là. Ouais, hein. Arrête-toi là. Non, non, tu mets pas dans le garage. Je vais prendre cher. Tu mets pas dans le garage, reste là. Éteins le moteur. On éteint les lampes ou on allume les lampes? Allume-les si tu veux. Allume-les. C'est quoi là? Et là, on va faire progression. Ils sont okay. Eux au sud, au nord-est, c'est ça? On est que 3. Progression vers là-bas alors. Vers le nord. Je préviens tout. Yankee, passez en canal 4. Et ceux qui sont avec toi, dis-leur de te mettre en canal 4. Bravo de Zoulou. Ici bravo, parlez Zoulou. Je dois être le seul rescapé de mon groupe. Il est à quel niveau? À quel niveau il est? Je sais pas. On va progresser dans la ville, vous êtes. T'es placé à quel niveau là? Je suis tout seul, bravo là. Donne-lui le. Donne, coordonnées GPS. Je vais donner les coordonnées voilà, GPS. Il a pris. C'est qui là? Apparemment, ils vont larguer l'équipe bravo vers nous là. Non, non, écoutez pas, écoutez conneries. Alors, quel. Par rapport à l'église, t'es placé à peu près où dans le village? On va atterrir à l'est, à l'ouest du village. Je suis pour l'instant, je vois pas l'église. Attendez, information. Si vous voyez tout le monde autour, vous tirez. Ceux qui sont sur les bancs, si vous voyez tout le monde, vous tirez. Merde, j'ai tué un civil. Je crois qu'on a un hélico qui s'est scratché là. Tu penses? Je pense aussi. Bravo à Zoulou, j'ai entendu une explosion, c'est vous? Négatif, c'est. C'est Yankee. C'est Yankee qui s'est écrasé. Bien pris. Comment il ne reste plus qu'à progresser, nous, hein? Éteindre nos lampes, non? Pour être plus simple, je vais me diriger vers l'église. Ah. Bien pris. Oh, va vers l'église. C'est un peu simple. Négatif, de... négatif. Donne-moi les coordonnées GPS où tu es. Il sait pas où sont les coordonnées GPS. Tu fais double T, deux fois T. C'est quoi ces tirs là? Ah, il se fait tirer dessus. User left your channel. J'ai été touché. Ah, le problème c'est qu'on sait pas où il est. Allez, on avance.
Murphy, nous allons sauver les soldats cachés. Ok, check, planque-toi, check-toi. Et s'il y a marqué cible saigne, tu te mets le garrot. Tu utilises la longue portée là ou pas? Non, la courte. S'il est pas sur le. Je sais pas sur quel canal il est. Sur le canal 1. Delta, vous n'étiez pas seul, vous avez. Ah, dis-lui de se mettre sur le canal 1. D'accord. Mets-toi sur le canal 1. Je joue. C'est qui qui m'ouvre? Ah, moi j'y vais. Sur le canal 1, je suis trop loin de vous. Pas toi, Popou, l'équipe Zulu. Ok, tu te planques, tu te check. Non, si tu saignes, tu te mets un garrot. Pas seul ou pas? J'ai pas entendu ce qu'il a dit tout comme du coup. Il y a du monde là, il y a du monde. Attention. Viens là. Vas-y, soigne-moi. Bon, tu vas voir un peu le carnage que je vais te faire avec eux. Ah, bande de trous du cul, vous voulez... Bien joué. Soigne-le. Il y en a pas. C'est quoi ça? Mort? Non, je suis touché. Putain, mais il s'est touché, mec. Ah putain, fais chier, il était où?